Bonjour à tous et bienvenue à la première diffusion de cette émission culinaire Tous à table, émission qui sera bientôt votre émission culinaire pour des nombreux voyages et découvertes de saveurs, de délices gastronomiques que vous proposera Radisson Blu Hotel. Saveurs et délices simples à faire chez vous. Et bien, qu'est-ce que nous attendons? Allons cuisiner! Pendant toute l'émission, mijoter les petits plats que nous allons vous présenter. Voilà, j'ai à ma droite Monsieur Dour, le directeur général de Radisson Blu. Bonjour monsieur. Bonjour Dominique, comment va? Je vais bien et vous? Très très bien, je vous souhaite le bienvenue au Radisson Blu Mbamou Palace. Oui. Ici au 12e étage dans notre penthouse au fleuve Congo, magnifique. Donc, je suis très content que vous faites votre émission ici avec notre chef Wissem et le chef Jules. Bonjour. Et je vais vous laisser à cuisiner des bons petits plats. Oui. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre émission. Chef Wissem. Bonjour Madame Dominique et bienvenue encore au Radisson Blu Mbamou Palace. Merci. Et maintenant les téléspectateurs et moi, nous nous remettons à vos petits soins. Et c'est quoi déjà le plat du jour, maître? Ok, nous on va vous présenter aujourd'hui un filet mignon de porc. Un filet mignon de porc. En croûte d'arachide. En croûte d'arachide. Filet mignon de porc en croûte d'arachide. Avec une garniture caviar d'aubergine vert local, avec huile de pesto et la sauce, c'est une réduction de jus de bessa. D'accord. Le principe, c'est travailler avec des produits congolais et les mettre en valeur. Et ce plat-là, on a dans la carte de l'Ardère ici, au Radisson, et est un plat qui est bien apprécié par notre clientèle. D'accord. Alors aujourd'hui, on va faire ce plat-là avec Monsieur Jules. Avec moi qui nous a... Et quels sont les ingrédients qui entrent en ligne? Les ingrédients. Nous avons le filet mignon de porc. Oui, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire le filet mignon de porc, je vous cite tous les ingrédients. On a l'huile de pesto, on a les aubergines, comme vous voyez. Jules, est-ce que vous pouvez me donner les aubergines, s'il vous plaît? L'huile de pesto, les aubergines. Les aubergines, oui. Les aubergines locales qu'on va faire blanchir. On a aussi, ici, c'est le bissap. Le bissap. Ou les fleurs. D'accord. Le bissap qu'on va faire tout bouillir. Tout le monde connaît, la plupart de nos téléspectateurs connaissent le bissap. Bien sûr, vous avez ici le jus de bissap qui est bien apprécié chez vous aussi. D'accord. Et les arachides qu'on va l'utiliser. Les arachides. Oui. Et après, on a de parmigiano, de fromage. Oui. Et tous les autres ingrédients pour l'assaisonnement et la décoration de plat. Et nous allons commencer par le filet mignon de porc. Oui, on commence au début avec les garnitures. Comme ça, on va expliquer à notre spectateur comment les procéder pour bien cuire tous les ingrédients, c'est-à-dire les garnitures. Oui. On va commencer avec les aubergines. Les aubergines. Les aubergines. Les aubergines blanchies. Oui, les aubergines blanchies. Blanchies, bouillies. Alors... Le principe, ce sont des aubergines un peu amères. Vous pouvez me donner les aubergines, s'il vous plaît. Les aubergines vertes, elles sont un peu amères. Et alors là, on préfère qu'elles soient blanchies avec un peu d'eau. Et après, on les pluche comme ça, on enlève un peu le goût amer. Oui, donne-moi encore droit, s'il te plaît. Mais là, on met un peu d'eau. Un peu d'eau, oui, les aubergines devant. Et sont de les blanchies. Blanchies. Normalement, les aubergines, c'est une légume qui elle est un peu amère. Soit on les fait blanchir, sinon on les fait avec de l'huile d'olive et on les met au four. Mais c'est les aubergines vertes, à cause qu'il y a un peu de goût amer, alors on préfère de les faire blanchir. On met un peu de sel. Un peu de sel, oui, bien sûr. Oui. On les laisse
bouillir. Et pendant combien de minutes comme ça? Et on les fait bouillir comme ça pendant 25 minutes. 25 à 30. Ça ramollit et c'est pendant 30 minutes comme ça. Et comme la plupart des ménagères brazzavilloises, on sait que quand les aubergines sont cuites, blanchies, elles se détachent facilement de la deuxième peau de l'aubergine. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire. Oui. Mais elles se détachent, elles sont faciles. Et après le cuisson, on aura des aubergines. Oui. Des aubergines qui sont bien blanchies. Bien blanchies. Et on commence à les faire réfléchir. D'accord, je pourrais peut-être vous aider. Oui, comme vous voulez, on va les faire réfléchir doucement, doucement. Entre-temps, oui. On prépare le jus de bissap. Le jus de bissap. La réduction du jus de bissap. Mais là, je peux déjà aider. Oui, bien sûr. D'accord. Tout en vous suivant. Bien sûr. Et nos téléspectateurs également. Ok. On met de vin rouge. De vin rouge. De vin rouge. Un peu de l'eau aussi. Du vin rouge, un peu d'eau. Un peu d'eau. Et le bissap. Voilà. Un peu de vinaigre d'Xarès. Vinaigre d'Xarès. Vinaigre d'Xarès. Ouais. Voilà. De l'eau, un peu de vin rouge, le vinaigre d'Xarès. Oui. Et du bissap. Et on le laisse réduire pendant 20 minutes. On ajoute 20 minutes. On ajoute un peu de sucre aussi pour avoir le goût un peu. Parce que cette sauce-là, c'est une sauce un peu aigre-douce, c'est-à-dire sucré-salé. Un peu de sel. On laisse cuire, faire la réduction. Comme vous voyez, le couleur vite de bissap qui est couleur rouge. Et ça se confond avec la couleur du vin rouge. Oui. On n'a plus que du rouge. Oui. Entre-temps, je commence à assaisonner mon filet mignon avec un peu de poivre blanc. Filet mignon de porc. Oui, filet mignon de porc. Un peu de sel. Poivre, c'est du poivre blanc ou quoi? C'est du poivre blanc. Normalement, tout ce qui est chair blanche, on les fait assaisonner avec du poivre blanc. D'accord. Poivre blanc, sel. Ouais. On retourne notre pièce de viande dans la saison. C'est quoi ces petits grains? Ces grains, ils sont de baie rose. Les baies roses. Les baies roses, oui. De baie rose. Qu'on le fait aussi pour donner un peu de goût. Ok. Ça, il faut. Ok. Notre jus de bissap qui est réduit, qu'on le met dans notre bocaux. Et là, nous avons notre jus de bissap tout fait. Tout fait, oui. La réduction du jus de bissap, plutôt. La réduction du jus de bissap. Ouais. Et je peux vous assurer que on a. Elle est un peu épaisse, le jus. Le jus est épais. Épais, oui. C'est une sauce qu'après on va le fermenter. D'accord. On réduit le jus de bissap de sorte que le jus devienne épais. On dit le jus épais. Ouais. Voilà. On va les faire verser ici, comme ça, après. Vous avez vu la texture? Oui. Voilà. Qu'on va l'utiliser après. Maintenant, on chauffe, on met une parcelle de beurre. Le beurre, donc, pasteurisé, oui, donc, la margarine. C'est du beurre. C'est du beurre. Simplement du beurre. Simplement du beurre. Pas besoin de pasteuriser ou margarine. Non, simplement du beurre.
fend le beurre. On fait fondre un peu de beurre. Le temps que ça chauffe un peu. On commence à cuire notre filet mignon. Oui, déjà assaisonné. De porc. Ouais. Quelques filets mignons, ça fait trop mettre cuisinier. Filet mignon de porc, oui. Qu'on peut le trouver ici aussi. On arrose toujours notre viande pour donner un peu le goût et laisser la viande un peu juteuse. C'est bien ridire. On dit ridire, il faut ridire la chair blanche. Ridire. Ridire, oui. Le terme culinaire. Oui. C'est ridire. Oui. Ridire la viande blanche. La chair, c'est la chair blanche. Sinon, on le fait rissoler pour aussi il y a la chair rouge. Oui. Si un filet de bœuf ou une autre chose, c'est un autre truc. Voilà. Une belle texture. Jules, si on commence avec hacher les aubergines, s'il te plaît. On les fait concasser avec de la cuillère, avec un couteau. On prend un couteau, on commence à les faire concasser. J'apprends comme vous. Toujours on arrose notre viande. Là, on réduit en boule les aubergines. Ouais. Et là, on continue la cuisson. La cuisson. Filet mignon de porc. Filet mignon de porc. Oui. On peut ajouter quelques béroses aussi pour le goût. Quelques béroses. Mais à Brazzaville, c'est pas facile de trouver du bérose. On peut le trouver dans certains supermarchés, peut-être. Dans certains supermarchés. Ouais. Et au cas où on n'utiliserait pas du bérose, qu'est-ce qu'on pourrait normalement, on peut les laisser comme ça, c'est-à-dire oui, on laisse comme ça avec un peu de sel et poivre, c'est suffisant. D'accord. Ouais. C'est poivre aussi, on a pas de bérose. Bérose, c'est pas... On arrose comme ça. On a une belle couleur comme ça. Ça commence à venir. Voilà. Maintenant, le bérose me rappelle quelque chose. Oui. Il y a un peu des petits grains qu'on trouve dans les marécages. On peut même les présenter. Facilement le trouver, oui. Ouais. Ça ressemble à des petits grains. C'est une grande arbre qu'on peut le trouver, ça ressemble au poivre. Et, ouais. Maintenant, on va prendre notre filet mignon de porc qu'on a fini à mettre. Et on va le mettre comme ça. Et... S'il te plaît. Ok. On va prendre la moutarde. La moutarde. La moutarde jaune. Et un pinceau. La moutarde jaune. Moutarde, oui. Moutarde de Dijon. Voilà. Et on va faire laquer notre filet mignon avec le moutarde. Oui, des deux côtés. C'est ça qu'on appelle la quai. La quai de filet mignon. On va le faire comme ça, encore de l'autre côté. Ouais. Voilà, c'est fait. Maintenant, on a les arachides. Les arachides.
qui sont bien, oui, partout, oui, qui sont cuites, oui, et qu'on fait torréfier, c'est-à-dire on fait cuire, et après on va le faire concasser, oui, parce que le menu c'est filet mignon de porc en croûte d'arachide. D'arachide. Ouais. Si on veut, en des termes très simples, d'arachide grillé, ouais, qu'on a cassé. Ok, maintenant on va prendre les arachides, on va le mettre dans une autre assiette, comme ça. Bon. On va les faire comme ça. Mettre dans une petite assiette. Voilà. On va prendre notre filet mignon. À la queue. Moutarde. On les fait comme ça. Bien, bien saupoudrer l'arachide, qu'on avoir une petite croûte comme ça d'arachide. Voilà. On peut saupoudrer encore les grains. Voilà. Et on continue notre cuisson de filet de mignon pendant 10 minutes à 12 minutes au four à une température de 180 degrés. 180 degrés. 10 à 12 minutes. 10 à 12 minutes au four. Ouais. S'il te plaît. Entre-temps, oui, maintenant on commence à préparer notre garniture, c'est-à-dire les aubergines vertes, oui, qui sont blanchies, après bien concassées, qu'on va les cuire encore avec un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Et l'huile d'arachide, ça va? L'huile... Vous passez avec l'huile d'arachide? C'est mieux un peu avec l'huile d'olive, toujours. Avec l'huile d'olive. Ouais, bon, un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive dans des boutiques, dans des supermarchés. Voilà. Ouais. Avec l'huile d'olive. On va prendre notre arachide. Oui. L'arachide que nous avons... Excusez-moi. Notre aubergine. J'ai dit la même chose. Auberge. Notre aubergine qui est bien concassée. C'est comme une bien hachée plutôt. On va le mettre. On assaisonne avec un peu de poivre. Poivre blanc. Aubergine, huile d'olive. Poivre. Un peu de sel. Ici, on va ajouter de l'huile de pesto, c'est-à-dire huile pesto, c'est huile de basilic. Huile de basilic. Comme vous voyez, on a le basilic. C'est, on peut faire même, comme on dit, le pesto al genovese. C'est un pesto. C'est quoi, c'est un pesto? C'est-à-dire, c'est des feuilles de basilic qu'on peut le hacher avec du fromage de brebis, c'est pecorino, avec du pignon. Et avec de l'ail et huile d'olive. Et après, on aura un style de pâte de basilic verte qu'on peut même utiliser dans des autres recettes pour faire des spaghettis, par exemple, al pesto et tout ça. Et le basilic pour ici... pour faire simple, parce que tous ouais, les spectateurs congolais et d'autres, certains ne connaissent pas tout ça. Oui, on peut dire l'huile de pesto, c'est-à-dire l'huile on fait de basilic haché avec un peu d'huile d'olive ou comme ça. Et après haché, un peu d'huile d'olive. Huile d'olive et après... pesto. Oui. Et on commence à faire notre truc comme ça, voilà. On le fait cuire. Ici, moi, je vais ajouter un peu de fromage, qui est parmesan, ouais. Ça, au moins, on trouve dans des supermarchés. Ouais, un peu de parmesan râpé pour relever le goût. Oui. S'il te plaît. Et on remue. Oui, on commence notre cuisson. Comme on on mélange et on laisse un peu mijoter. D'accord. On laisse mijoter combien de temps comme ça? Juste pour qu'il frémit un peu et après on peut le retirer. Entre-temps, on va
rectifier notre sauce. Notre sauce de bissap. Ouais. Comme vous voyez la consistance, elle est un peu épaisse. C'est dû au sucre, au vin. Oui, c'est la réduction. La réduction de vin, de vinaigre, de sucre. Et le bissap, avec de l'eau, on obtient un genre de réduction. Et une sauce un peu aigre-douce qui marche bien avec le filet mignon de porc. Pour l'instant, on va monter notre sauce avec une parcelle de beurre. D'accord. Comme élément de finition pour remonter notre sauce. Voilà, sinon avec un petit fouet. Ouais. Je vais remonter notre sauce avec un peu. S'il te plaît, continue comme ça. Ok, on prépare notre assiette pour le dressage. Notre recette à presque à 80% elle est prête. Ouais. En même temps, on vérifie le cuisson. Normalement, le filet mignon il est cuit dans le four. 10 à 12 minutes. Oui. On peut avoir le filet mignon. Voilà. Notre sauce, elle est prête, bien brillante. Voilà. On peut maintenant le laisser hors de feu. Voilà. Ça sent le bissap. Hein? Voilà. Voilà notre filet mignon, s'il vous plaît. Cuit. Cuit avec la croûte bien dorée, comme vous voyez. Ça donne déjà envie. Ça donne déjà envie, ok. On commence maintenant à préparer notre dressage de l'assiette. Ah, surtout ça aussi c'est important. Ouais. Rien qu'avec un bon dressage, ça donne déjà envie de manger. Ouais, surtout vous connaissez bien. J'adore. On arrive au dressage. Voilà. On prend notre filet mignon qui est cuit. On va les couper en trois morceaux. Trois morceaux. Oui. Voilà. Voilà, elle est bien juteuse à l'intérieur. Surtout, la chair blanche, il ne faut pas le faire sécher trop. D'accord. Il faut bien maîtriser le cuisson, parce que ça, c'est très important. Comme ça, elle est bien juteuse. Ok, on commence notre dressage. On va faire notre purée d'aubergine verte. Purée d'aubergine verte. Avec le parmesan. Huile de pesto. Voilà, comme ça. On prend notre morceau de filet mignon de porc. Filet mignon de porc. Ça vous plaît bien ce mot, filet mignon de porc. Oui, on les dresse comme ça, sur le purée. Filet mignon. Voilà. On les dresse aussi un autre morceau comme ça. Voilà. Pas de problème. Juste on va les rectifier comme ça avec le truc. Voilà. Ici on va ajouter du coco râpé. De coco râpé assaisonné avec une vinaigrette de huile d'olive et du citron. Ouais. Coco râpé. Qu'on va le mettre sur le petit tourne-dos de filet mignon. Voilà. Voilà. On le fait comme ça. Ça donne un peu de couleur aussi.
comme vous voyez. On va mettre des feuilles de basilic. Des feuilles de basilic grillées. Frites. Frites. Ah, pas grillées, mais frites. Frites qui se peut être. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Quand c'est à l'huile, c'est frites. C'est frites. Quand c'est sur le charbon, encore au four, c'est. Au four rôti ou grillé, ça dépend de cuisson, comme ça, notre plat. On ajoute aussi, pour la décoration, des anis étoilés. On fait aussi quelques baies roses. Quelques baies roses. Dans notre plat. Voilà. Et maintenant, on fait notre sauce. C'est la sauce. La sauce de bissap, de vin rouge, un ouais. peu de vinaigre, sucre, sel. Ouais. On verse dessus. On verse un petit peu cosé, voilà. Sur juste les petits tourneaux d'eau. Voilà. J'ajoute un peu, bon c'est pas obligatoire, mais nous ici on le sert comme ça, un peu de sel noir de Chypre. C'est un sel volcan de Chypre, comme ça, juste pour avoir c'est du sel. C'est pas obligatoire. Ça c'est pour la déco. Mais ici à notre, bien sûr, on essaye toujours d'utiliser les bons produits oui. à notre hôtel. Oui. Voilà, c'est du sel noir. De Chypre. De Chypre. De Chypre. Chypre. Ici aussi, c'est pas. On ajoute un peu, parce que c'est de porc, on va faire comme une déclinaison, un peu des petits morceaux de prosciutto. C'est quoi le prosciutto? C'est jambon de Parme. Jambon de Parme. Jambon de Parme. Et on peut le trouver? On pas, peut le trouver dans nos supermarchés. Dans le supermarché, ça existe, c'est du jambon fumé. Du jambon salé. Qu'on le met, juste des petits morceaux sur, comme ça, pour finir la décoration. Jambon salé. Oui, jambon de Parme, c'est le prosciutto. Quelques petits morceaux comme ça. En haut. Voilà. On peut le faire comme ça. C'est vrai, la bonne odeur. La bonne odeur. On ajoute une autre. Et de l'appétit qui vient. Les basilic comme ça, les feuilles de basilic. Voilà, on est prêt avec notre plat. C'est mignon. Voilà, comme vous voyez. Fait avec les produits locaux qu'on peut trouver dans presque le marché. Presque 90% c'est produits congolais. Et bien à la fin, nous avons une belle décoration. Voilà. Je vous l'avais dit au début que nous saurons que le maître cuisinier de Radisson Hotel nous fera voyager et découvrir des saveurs. Et là déjà, nous avons plusieurs saveurs. Nous allons goûter. Oui, bien sûr. Bon appétit. Merci. Voilà. Nous allons commencer par attaquer la première viande. Elle est tendre. Je vais la plonger un peu dans la sauce. Oui, avec un peu de sauce. Et bien, c'est bon. Bon, j'espère bien que notre spectateur, ils vont bien se profiter de cette recette-là et qu'il essaye, et en espérant pour des autres recettes, parce que le principe ici, il y a dans notre, on a essayé dès qu'on est venu ici au Congo, à Brazzaville, de promouvoir certains produits. Ici, on a beaucoup de produits qu'il faut le mettre en valeur et de faire des choses, même avec des produits locaux. À Brazzaville, on peut faire des choses, des plats un peu de style gastro, un peu la cuisine fine dining, on peut faire des choses comme ça.
Bénin, Ougali, et mes coiffeuses, maman Aimée et maman Nadège. Je remercie également mon équipe technique.